Donc là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le retour du Suyac Golf & Country Club en compagnie de Quentin qui est 54, moi qui suis 14. L'aller s'est plutôt bien passé, je crois que je suis à plus 8, Quentin est à plus 11. Donc voilà, on continue sur notre lancée et voilà. Donc là, départ du 10, long par 4, de, je vais vous dire, 358 mètres des blancs, handicap 2. Donc très long, léger dogleg droit, ouais, et comme d'hab, monté. Là, il vaut mieux rater à gauche qu'à droite, hein, parce qu'à droite c'est mort. Ah, elle sera là. C'est un peu. Elle sera même fairway, ouais. Hop. Elle est vraiment belle. Là, elle est parfaite. Ouais. Donc voilà ma balle, entrée de fairway. Il reste beaucoup trop pour attaquer le green. Je pourrais l'attaquer avec un fer 6, je pense. Mais là, c'est pas l'idée du jour. Donc on va rester humble et mettre un petit fer 9 pour se rapprocher. Ah, elle est tranchée, mais elle va faire le travail, comme on dit. Commercial. Vous avez les belles couleurs, le bunker bien rouge, qui rappelle la couleur des feuilles des arbres d'automne. Et les trouées du soleil dans la forêt de droite, là. Bon, nous voilà. Pas de casse, je pensais être plus long, mais non. Nickel, Quentin est juste à côté. On a à peu près le même coup, d'une soixantaine de mètres pour lui, moi 55 à peu près. Là, faut planter. C'est propre. C'est long. Je pense qu'elle est à hauteur. Ah, je pense qu'elle est longue. Hein ? Moi, je pense qu'elle est longue. Ah ouais ? Ouais. Deuxième approche pour Quentin. Là, le but, c'est de se coller au mât. La topette, après la gratte, la topette. Ouais, voilà. Il a tout fait. Bon, Quentin avait raison. Elle est bien à hauteur pour le par. Un peu longue. Lui va jouer le double de là où il est. Mais pas de casse. Et relevez vos pitchs aussi. Ouais, c'est important ça. Parce que si vous les relevez pas, c'est plusieurs semaines à se reboucher, voire plusieurs mois si c'est l'été. Et en hiver, ça entraîne des maladies. Alors que ça prend vraiment 2 secondes à relever. Et si vous avez des problèmes de dos ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours avoir un coéquipier qui peut vous aider. Mais c'est souvent, c'est souvent la cause des maladies sur les greens. C'est les pitchs non relevés. Le pote de Quentin pour le double. Et non. Dommage. Ouais, en plus, c'est pas donné, mais bon. Ah, mais tu peux être mieux comme ça. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est donné. Ça fera bogey. Comme toi, Quentin. Oui, ça va. Ça va, juste 54, partir des blancs déjà, faut avoir les reins solides. Ouais, après, c'est au niveau des approches, quoi, ça a été un peu compliqué. Hein. Sortir plus 11 déjà des blancs en étant 54, c'est pas mal sur l'allée. Donc la fatigue qui arrive aussi sans. Ouais, aussi sûrement, c'est possible. On a fait 5 parcours dans la semaine quand même, donc on commence à avoir les jambes un peu en feu. Mais très solide son jeu pour un 54, franchement. Même le mental, des fois. Il est pas là, mais là aujourd'hui il est là, son mental. Ouais. Peut-être la vidéo qui l'aide à se concentrer. Ouais, peut-être aussi, ouais, je pense. Bon, là on arrive au 11. Il y a le green du 1 ici. Parce qu'avant ici c'était un 9 trou en fait. Et c'était le départ du numéro 2 ici. Donc là, par 4, 271 mètres. Dogleg gauche, on voit le green au fond là-bas, après les arbres.
Pas trop de danger, mis à part les bois à droite et à gauche, encore une fois. Hein. Vaut mieux se mettre à droite pour avoir l'ouverture du green. Mais même si on est à gauche, on le touche en 3 et ça suffit largement. Ah, ah elle est ressortie. Bon, dommage pour lui, mais elle est ressortie, il a de la chance. Il devrait pouvoir la retrouver et pouvoir faire un deuxième. Elle va être longue. Oh, je l'ai pas vu tomber. Et ouais, moi non plus. Bon. Remets-en une. Provisoire. Stress AVX. Ah, ça pue. Ah bah celle-là, ouais. Elle est pire. Bon allez, on va trouver la première. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ce que dit Quentin, le parcours est vraiment sans pitié. On rate à gauche. Alors là je suis à quoi 2 mètres dans les bois. Hein. Je suis même pas sûr de la retrouver. Je m'appuie à droite pour être sûr. Malheureusement, bah, je mets un gros fade. Part dans les bois, donc elle est morte. Vraiment pas gentil ce parcours du tout. Donc là on a Quentin, son deuxième coup qui est resté un peu court. Il a de la chance, elle est sortie. Non, bon, la petite gratte. Eh bien, mais ça avance, elle est au milieu. Sa balle n'est pas perdue. Ouais. J'ai pas envie de repartir au départ. Je vais me dropper là avec un coup de pénalité. Là du coup voilà, je vais vous faire une petite vision. On part de tout là-haut au chalet, on descend en général, on a un deuxième coup par ici et là on arrive sur le green qui est vraiment renfermé derrière l'espèce de petite colline. Et encore ils ont coupé des arbres parce qu'avant on le voyait vraiment pas. Donc là Quentin s'est mis juste devant le green, moi je suis juste là, je vais essayer de m'approcher le plus possible et sauver les meubles. Ah, c'est long, dommage. C'était bien touché, bien spiné, mais... Voilà, donc moi je me suis mis là-haut. Quentin est juste en dessous, là. C'est un green totalement en descente. Là, je suis pas bien placé du tout. Faut que ma balle, elle s'arrête au trou et... maximum à mettre en dessous, parce que sinon c'est fini, elle descend en bas. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est fort. Ah, dommage. Bye. Je sais même pas pour combien j'en suis, mais... Il va falloir se ressaisir là. Ouais. Bon, petit passage à vide là sur ce trou. C'est pas grave. Triple. On va se relever. Hein. Et on arrive sur un petit par 3 coquin. Très coquin. Même. Tout en descente. Très serré. Forêt à droite, forêt à gauche toujours. Hein. C'est la devise ici. Enfin, je vais vous montrer ça. Bon, les amis, on est un peu essoufflé. Hein. Je vais te monter une sacrée côte. 164 entrées de green, handicap 8 par 3, trou numéro 12. À droite la forêt, à gauche la forêt, comme d'hab. Là, vaut mieux être long ou court, ouais. Mais surtout pas sur les côtés. Ouais, c'est ça. À toi, Quentin. À choisir long à droite. Ouais, il y a plus de place à droite, ouais. Ouais. Et non. Bon. Putain, je vais bien tomber, ça. Elle roule ? Ouais, j'ai pas vu. Bon, petite topette, mais elle doit être là au bord, non ? Non, elle est tombée. Bon, mais j'en mettrai une deuxième. Bon, une deuxième. Bon.
sera là à droite. Ouais. Et là-bas. Bon allez. Provisoire. Légèrement coupé. Et non. Bon. Putain, je vais bien tomber ça. Elle roule ? Non, elle va s'arrêter avant. Regarde, regarde. Ouf. Bon, bah avec sa topette, il s'est mis à 2 mètres du mât. Donc voilà, vous avez le green en bas là-bas. Là, vous avez un joli roncier et un joli bois qui accueille les balles comme la première de Quentin. Et nous, on arrive de tout là-haut. Voilà. Donc là, vous avez ma balle juste là. J'ai un peu de green à travailler, mais vraiment, j'ai trois fois rien. Donc je vais essayer de l'avancer. Le rough est vachement épais devant. Donc il faut qu'elle tombe en entrée de green. Ça serait cool. Il y aura le même putt que qu'avant-hier. J'ai fait ce putt déjà il y a deux jours. Donc on va essayer de refaire le même. Prendre le bogey comme il y a deux jours. Et voilà. Allez. Long putt. Gauche-droite. En montée. Oh, c'est fort, mais... Allez, bogey. Bon, Quentin, bogey aussi, hein. Ouais, on va essayer. Non, pas du tout la ligne. Je croyais qu'elle allait tourner. Elle peut être comme ça, hein, parce que vraiment, tu les mets tous, ceux-là. Bon, double pour Quentin, pas de regret parce qu'avec une première balle perdue, c'est beau. Bon, celui qui nous dit que c'est pas sportif le golf, franchement, je vais lui demander de venir avec nous, porter nos sacs et de monter les petites côtes comme ça du golf de Souillac parce que elles sont pas longues, hein. Mais alors elles sont raides. Donc alors, trou numéro 13, dogleg gauche en montant. Pas très long, 213 mètres, donc touchable en un, largement. Ah oui. Mais c'est pas le but aujourd'hui. À droite, hors limite, tout le long du trou. À gauche, forêt. Pas large du tout, hein, comme d'hab. Là, le but de Quentin, c'est d'aller au milieu. C'est gratté, mais elle va prendre la descente, elle ira ouais. Tout en bas. Elle sera là. Elle va se mettre fairway. Bon, pour moi, faire 8, histoire d'aller à hauteur du bunker là-bas et d'attaquer en deux. Sans finir dedans. Parce que ça fait 3-4 fois qu'on joue, 3-4 fois que je vais dedans. Donc, Eh bien, il va dedans. Non. Ah non, ça va. Non, non, je l'ai joué smooth. Pour qu'elle aille droite. Nickel. Bon contact. Au milieu. Donc là, on part du départ. Premier coup totalement en descente, sauf si on coupe par-dessus ou en léger draw alors, pour aller au green directement. Et là, légère descente. Et après, on remonte. Donc très beau panorama avec les belles couleurs et le soleil qui arrive d'en face. Là. Malgré le contre-jour, on voit les belles couleurs. Bon, petit fer 9 pour Quentin en montée. Il y a 100, 120 en montée. Ah, t'as chopé le green. Tranché, mais chopé le green. Bon, moi je suis là. Il doit me rester 60 mètres, je pense. 70 avec la montée. Ouais. Elle part à gauche. Elle part à gauche, mais elle sera sur le green. Normalement, elle devrait rester au green. Bon, un peu long, mais pas de casse. Je vais pouvoir sauver le par. Ah, dommage.
ça roule. En plus ça roule. Ah, il faut donner. C'est le trou là qui a ralenti. C'est donné. Bon, dogué. Attaqué, mais j'ai un peu trop assumé celui-là. Mais le par est là. Ouais, ça fait le par. Bon, par 4, trou numéro 14, léger de glotte gauche aussi, qui doit faire dans les 250, je pense. Aucune erreur n'est possible. Donc fer 6 pour Quentin. Ouais, c'est ça. Le but, choper un bout de fairway. Bon, rectification, 292 mètres et pas 250. Mais je le vois pas si long que ça, moi, personnellement, donc... Je reste sur ma base des 250 pour moi et ça me suffit largement. Oui, parfaite ça. Ça va bien. Léger draw. Un peu court. Un peu court, mais t'es en plein milieu. Un peu court, ouais. Bon, pour moi, ça sera un fer 8. Dans la même idée. Faut qu'elle vole. Dans le ref à gauche, mais ouais, je vais pouvoir avec un léger draw, je pourrais choper le green. Et malheureusement, au fer 8, t'as fait un draw. J'ai de la facilité à faire du draw, donc des fois ça m'handicape un peu. 7. Bon, petit fer 7. 135, 140 à peu près. C'est ça. Le drapeau est dans la lignée de la main de. Ouais, je vais essayer de plus jouer la droite, parce que la gauche après ça. Fais gaffe à ton alignement quand même, parce que là t'es vachement à droite. Hein. Ah ouais? Ouais. Genre vraiment, là pour moi t'es sur le départ. Hein. Ok. Ouais, joli. Avec un petit draw, elle sera courte. Bah t'as chopé un bout de green. Hein. Ouais, je crois qu'elle. T'es monté sur le green. Ouais, je crois. Ouais. Très beaucoup. Bon, moi je suis là. Le drapeau, on le voit, il est ici, au bout de mon doigt. Là, va falloir faire gaffe aux branches là et faire un draw. Faire un draw avec un pitch, mais j'y crois pas. Donc je vais viser à droite en espérant qu'elle revienne au pire. Peut-être une balle basse, j'aurai un chip. Oh. Oh la vache. Parfait. Coup de chance avec cette branche. Le coup était pas. Ouais, le coup était pas mal exécuté, mais la branche a vachement aidé à. Elle est pas sortie à droite, je pense, comme tu voulais. Non, elle est pas sortie comme je voulais, mais la branche l'a vachement aidé à revenir sur le trou. Donc en soi c'est pas. C'est... J'aurais. Ouais, sans la branche j'aurais fait un mauvais coup. Bon. On va aller voir ça au green. Bon les amis, pitch est là. Le trou est là et ma balle est juste là. Super content. Quentin, long putt. Ah ouais. Très long putt. En droite-gauche. Très gros droite-gauche. Ah, elle va aller dessous. Ouais. Ah ouais. Allez. Ah oui, oui, oui. Stop-toi. Oh, c'est pas mal. De là où tu viens. La pente du green, c'est pas. Ouais, j'aurais dû la jouer plus forte. Bon, allez, là, je dois pas la rater celui-là. Oui, ça sauve le par. Ça, c'est un bon putt. Ça. Ouais, ça, c'était un bon putt. Bien joué. Nickel. Allez, maintenant, c'est birdie. Bon, c'est presque donné, mais bon, pour la beauté. Bien, ouais. Allez, birdie. Nickel. Ouais. Bien sauvé au final. Je pensais pas m'en sortir avec un birdie, mais très content. Mais beau birdie, hein, parce que... ouais, beau birdie parce que la branche était vraiment pas. Je pensais vraiment pas me donner comme ça. C'était vraiment là-bas, là, sous l'arbre donc. Non mais très content de ce trou. Ouais, franchement, par 3. Par 3, trou numéro 15, handicap 18, ouais, je crois. 104 mètres. Ouais, donc ça sera un pitch. Y'a pas trop de danger sur celui-là. Non.
Ah dommage, elle s'est embarquée à gauche. Ouais, elle s'est embarquée. Ouais, elle est revenue, ouais. Pas de casse. Non. Bon, moi, petit pitch aussi. C'est pas la balle, ça, putain. C'est un peu long, mais ça aurait pu être pire. Là, ils ont mis un seuil des filets en fait, parce qu'il y avait pas mal de débutants qui faisaient des soquettes ou des grosses enroulées en fait. Et ça finissait dans le chalet qu'il y a juste derrière. Donc, par sécurité, ils ont mis un petit filet. Sinon, regardez ça. Les magnifiques couleurs. Désolé si ça tremble hein, parce que j'ai vraiment pas de stabilisateur. On fait avec ce qu'on a. Ancré à droite, donc je peux pas vous mettre le shot. Vous verrez les arrivées de balles de celle de Quentin et la mienne qui est à gauche. Oh, ça c'est beau ça! Ça oui, mais elle est là! Elle est là! Ça c'est un chip école ça. Pas mal exécuté de d'où je viens. En dessous du trou, je me laisse un peu temps monter. C'est pas mal. Là vraiment vous avez des couleurs à l'écran. Ils sont magnifiques. Allez, putt pour part. Deux fois trop timide. Oh. C'était pour le beau jeu ça. Ouais. Ah c'est donné. Bon, ok. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Trou numéro 16, par 4, 213 mètres. En soi, attaquable en 1. Mais danger à droite, forêt, danger à gauche, forêt. Il y a un perrier aussi. Ouais, perrier à droite. Le but là, c'est de se mettre dans la cuvette, parce que c'est un trou en cuvette. Et d'attaquer en 2. Ça s'élargit vachement sur la cuvette. Vaut mieux être à gauche qu'à droite, sinon on se referme le trou. Mais pour les gros frappeurs, ça s'attaque en 1. En un facile. Bah nickel. Hein. Ouais, elle sera là. Plein milieu. Bon pour moi ça sera un... Ah, je sais pas. Je pense que je vais mettre un petit pitch. Je vais mettre un petit pitch histoire de pas être long et de pas attraper le perrier. Un peu pointe, puis elle sera là aussi. Elle sera en bas. Bon, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. C'est mis côte à côte. Il nous reste 100 mètres. Ouais, un peu. Ouais. 110 mètres en centimètres en prenant la montée. Un truc comme ça. Ouais. Faut pas être court, devant il y a un bunker avec une lèvre de 2 mètres ouais. Qui accueille les balles trop courtes. Donc là, vaut mieux être long. Et le green est à double plateau et le drapeau est au deuxième plateau. Donc il n'y a pas de casse si on est long. Ah la gratte! Ça va, elle est là. On est en jeu, mais en. Ah, elle est belle, mais alors elle va être à gauche.
Oh, courte un peu. Oh, elle est courte. Ouais, mais t'auras pas le bunker en jeu. T'es bien. Merde. Donc là, vous voyez, hein, les bois sont vraiment à ras. Le Perrier ici. Les bois à gauche, ça s'écarte un peu, mais c'est pas fou. Et le green est tout en haut. Bon, je suis là. Là, il merdique. Faut être long. Pas de court. Surtout pas de court. Elle est montée, je suis pas dans le bunker, il y aura peut-être une position pour le par. Allez, petite approche pour Quentin, à gauche, moi je suis à droite, petit pote, en dehors du green. On va le faire ça. C'est donné. Suffit. Suffit. Bogey. T'assumes ton pote, ouais. Comme depuis le début. Oh dommage, putain, c'est pas payé. Oh putain. Allez, bogey. Allez, ah là là c'est là très là bien là. Quand même. Donc trou signature, trou numéro 17, 104 mètres. Hors limite à droite, bois à gauche, et il faut pas être long. Il y a un bunker devant aussi. Si on est long, c'est mort, hein, c'est hors limite. Du coup, voilà, 104 mètres. Allez, pitch pour Quentin. Ouais. Je vais m'aligner un peu plus sur la droite parce que d'habitude j'ai l'habitude d'aller à gauche. À gauche, ouais. Voilà. Et j'essaie de gratter en plus. Et tu vas à gauche. Et je vais à gauche. Ouais, t'as fait un kick à gauche. Et je vais la perdre. Non, on la perd peut-être pas. Mais... Non, je pense que je vais la retrouver. Mais... T'es mal placé quoi. Ah ouais. Tu vas avoir un deuxième coup. Là, celui-là, à chaque fois. Bon là, c'est la même distance qu'au 15, j'étais long. Bon, là, j'étais plus. Allez. Ben, elle est parfaite. Hein. Elle est belle. Je pense qu'elle est au green. Ouais. Oh oui, c'est sûr. Elle sera sur la gauche. Bon, on arrive sur le trou signature. Vous allez voir, il y a une vue magnifique du green. Je suis green, je me suis mis bien. Un peu court à gauche, mais je suis green, donc peut-être pour birdie à assumer et on va le faire. Donc voilà la vue magnifique sur la vallée de la Dordogne. Quentin est juste là. Il va faire un petit chip roulé, je pense, pour qu'elle roule au green. Et là, vous avez un magnifique panorama, comme dirait Lefty, de la vallée de la Dordogne. Chip roulé, un peu trop roulé de la part de Quentin. Il va lui rester du travail, mais tout n'est pas perdu. Voilà, là on se rapproche vraiment de la vue, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce trou, un trou signature. Mais quoi? Ah bah là ça commence hein. Donc là voilà, vous avez un magnifique panorama avec les chalets toujours. Et voilà, c'est magnifique. Allez, on revient au jeu. Deuxième chip pour Quentin. Ah, c'est bien fait. Un peu de
Ouais, c'est presque donné. Mais vu que toi tu t'entraînes, je vais pas te la donner. Alors qu'en vrai, elle est donnée de ouf. Ouais, mais je vais la peter quand même. Elle est donnée. Je vais la peter pour le plaisir. Bon, allez, deuxième pet pour Birdie. Pour le plaisir de voir si je suis vraiment nul. Je veux bien qu'une fois que tu as peté, tu m'enlèves le, ouais, le drapeau. Allez. Le bogey, pardon. Hop là. C'est bien peuté ça. Bien joué. Birdie. Ça fait birdie. Ça va, la moyenne en ce moment c'est 2 birdies. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est bon ça. Moi ça me va. On continue comme ça. Avec des belles ficelles en plus. C'est ça. Ouais, parce qu'ils sont pas donnés. Hein. Bon. Deuxième birdie de la partie, avec un putt pas donné. On continue sur cette lancée. Bon, du coup, trou numéro 18, handicap 4, par 4, ouais. 326 mètres des blancs, à l'aveugle. Donc là, le but, c'est la mire. Même un peu à gauche, c'est pas, ouais, pas gênant. Ça s'ouvre légèrement sur la droite. Ouais. Après, ça s'ouvre sur la droite et malheureusement, la moitié du fairway penche sur la gauche et l'autre penche sur la droite. Ouais, c'est ça. Donc ça nous aide pas. Bon, et hors limite à droite. Oui. Hors limite à droite et bois à gauche. Et à droite. Et à droite aussi, hein, par la même occasion. Hein. Ça marche par deux ici. Hein. Oh non. Ah, ça va perdu. Tu penses? Je pense pas. Non. Ah ouais? Pour moi elle sera pas perdue. J'ai déjà fait plus à droite que ça et. Ouais. Elle était pas perdue. Bon, on verra bien. Tu viens pas au début que des slices au drive des fois? Ouais. Et qu'on les retrouvait en bas là-bas. Ah ouais, c'est possible. Donc là, en étant courte, je pense que. J'espère. Donc pour moi, faire 7 en ligne. Il y a un peu haut pour faciliter le contact. Prise un peu pointe encore. On va rester ça. Elle sera là. Elle va taper un arbre. Elle sera là. Bon, on quitte ce beau panorama aussi au départ du 18 pour partir en direction du fairway pour trouver nos balles. Moi, je pense pas que j'ai le fairway. Hein. Je pense que je suis resté court. De toute façon, j'ai pris la balle pointe. On va essayer de sauver le par quand même. Peut-être une attaque de green possible, longue mais possible, j'ai déjà fait d'ici. Donc à voir. Bon, je suis là. Je pourrais pas attaquer, c'est sûr. Je pourrais si j'avais un bon lie, mais là je suis sur des cailloux. Je ferai une balle basse pour qu'elle roule en bas. Parce qu'il faudrait que j'arrive à droite du bonhomme que vous voyez là en fait. Le green est là-bas tout au fond, à droite. Il me reste beaucoup trop. Avec un lie de. Avec un light pourri comme ça, je peux pas me permettre de faire ça. Donc je vais prendre un fer 7 et l'envoyer devant là, qu'elle roule. Ouais, vu le lie, je peux pas. Je peux rien faire, je suis sur des cailloux là. Ouais. C'est le maximum que je pouvais faire. Elle va rouler en bas de toute façon. Hein. Ça va me permettre d'attaquer en 3, c'était pas ce que je voulais, mais normalement je devais être là où elle est, mais en un quoi. Quentin a retrouvé sa balle sur la droite. Je pense qu'il va tenter d'attaquer. Et moi voilà, je suis juste en dessous là, on voit le point blanc dans la bande foncée. Voilà les magnifiques couleurs encore une fois. Hein. Donc moi je suis juste là. Quentin a son deuxième coup de là-bas. Il veut essayer de faire un fer 4 tendu, basse, qui, si elle passe, elle va au green. Si elle passe pas, ça lui fait un layup. Donc un coup sans danger. Et bah, beaucoup de chance parce que, vu les arbres qu'elle a tapés,
Ton lay-up, bah, il est lay-up, quoi. Ouais, bah ouais. Bah ouais, mais t'es là, c'est bon. Bon, moi, je suis là. 130 mètres. Un peu en descente. Je vais prendre un pitch. Et là, on attaque. On attaque ce mât. Un peu gratté. Elle va rester un peu court. Ouais, je pense qu'elle va rester dans la cuvette, mais... Ouais, mais elle sera là, quoi. Pas grave. En demi-coup. Pitch en demi-coup, 60 mètres. Ouais. Un peu à l'aveugle. On voit pas le trou. On l'imagine, mais on le voit pas. Je vois juste à peine le drapeau. Mais non. Bon, elle va rouler. Oh, bah elle a pris un bon kick vers la droite en plus. Ouais. Donc elle va rouler au green et ça se trouve, elle sera pas mal comme, oui, je pense que comme au 12. Je pense. Allez, on va découvrir ça. Ah, voilà, fond de green, même pas à hauteur, moins entrée. Allez, ça peut encore se rentrer. Bon, allez, il me reste un chip pour le par. Je suis vraiment à deux doigts de le poter. Et je pense que je vais le poter. Je pense que je vais le poter. Ce sera plus sûr parce que là c'est une distance approximative au chip, ça va être compliqué en même temps. Alors qu'au pote, normalement il devrait pas y avoir trop de casse en accélérant un peu. Allez. Ah, pas assez accéléré. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez. On va essayer d'aller chercher le par. Donc, Quentin a toujours son pote pour le par, lui. Beaucoup plus simple que le mien. Il lui reste environ 4 mètres. Je pense que ça sera intérieur droit. Dommage. Donné. Bon, ça fera le bogey. On s'accélère. Oh la vache. Doublé pas donné encore. Je sais pas ce que j'ai fait un truc avec mes mains en plus quand je l'ai poté. Oh, oh là là. Ça, ça monte tout ça. Allez, triple. Super, birdie triple. Enchaînement. Ça, ça casse tout. Bon, fin de partie. Plus 9 moi au retour. Ça fait plus 17 en tout. Pas ouf, mais pas trop mal. Quentin, plus 12 ouais. Au retour et plus 11 à l'aller. Ça fait 23 pour un 54. Franchement, c'est pas mal. En partant des blancs en plus. Ouais, franchement, ouais. En stroke play, aucune croix, rien du tout. Franchement, ravi de cette journée. Ouais, et cool. Là, on a bien mérité notre pot parce que, avec tout ce qu'on s'est tapé comme parcours cette semaine, ça va attendre lundi maintenant. Hein. Bon, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je prends n'importe quelle critique constructive en compte.